Culture Club. Culture Club, hein. C'est parti. Culture Club. La première. Patrick Ridremont, bonjour. Bonjour. Et merci d'être ici avec nous, ça fait plaisir. Ah bah oui, merci de m'avoir invité. Alors toi, cette année, tu as l'immense honneur d'être le maître de cérémonie de la 12e édition des Magritte, cérémonie qui célèbre la crème de la crème du cinéma belge. Exact. Donc du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas une petite interview Magritte ? Tout à fait. À qui est-ce que tu remettrais le Magritte du meilleur acteur ? J'aime beaucoup Bully Lanners. C'est un gars qui a l'air de pas jouer, donc c'est tout le temps très joué. Je supporte pas quand on dit « Ouais, mais il fait pas d'efforts, il est comme il est ». Non, c'est là que les acteurs sont justement le plus en train de travailler. Ou alors je me trompe complètement et me dis « Putain, le con, il est tombé dans le panneau parce que je fous que dalle ». Ça, c'est une question très personnelle, évidemment. À qui est-ce que tu remettrais le Magritte de la meilleure actrice ? Émilie Dequel. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué d'Emilie Dequel que tu adores ? Tous, la personne qu'elle est, les films dans lesquels elle apparaît, c'est juste, c'est grandiose. J'en étais sûre, de toute façon, je connais personne qui l'aime pas. Je la regarde et je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce qu'elle ferait, une formidable actrice américaine. À quel film tu remettrais le Magritte de la meilleure comédie ? Dickeneck, en fait, parce que, mais pas juste parce que c'est... J'ai trouvé qu'il y avait plein de défauts, plein de qualités, mais j'aime bien le chemin que ce film fait. Ou tu sors ou je te sors, mais voilà, prendre une décision. J'aime beaucoup aussi l'énergie totale de Jean-Luc Couchard dans ce film. C'était il est jouissif, Jean-Luc. Tu peux faire n'importe quoi comme film. Tu peux réaliser la liste de Schindler, tu peux t'appeler Steven Spielberg. Si Jean-Luc Couchard joue dans ton film, tout le monde vient vers Jean-Luc Couchard. Tu peux faire ce que tu veux, tout le monde lui parle de Dickeneck, t'es génial. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérangerait. À quel film tu remettrais le Magritte du meilleur film dans lequel tu as joué ? Dans ce qui est sorti au cinéma, j'aime beaucoup Rebelle, où je me fais couper la bite par Cécile de France. Une expérience. Ah ! Ah ! Putain ! Oh putain ! À quel film tu remettrais le Magritte de la meilleure réplique ? J'adore Ripley, aka Sigourney Weaver, dans Un Alien qui sort avec sa... cette espèce d'engin de chantier. Et qui dit à la mère alien, enfin, c'est pas la reine, enfin, en tous les cas, c'est une très méchante. Elle lui dit, lâche-la, sale pute. Ne la touche pas, sale pute! Moi, j'aime bien, parce qu'à un moment donné, on mettait des dizaines de millions. Les imagine avoir des conversations, on peut faire ça, on peut pas faire ça, ça se pose. Je me dis, mais est-ce que c'est crédible? Et à un moment donné, le réalisateur écrit, lâche-la, sale pute. Et les gens font, ouais, génial. Quel film tu remettrais le Magritte du dernier film que tu as vu? Je n'ai plus été au cinéma depuis. Depuis une vie. Et le seul truc que j'ai été voir au cinéma, mais c'est Venom 2. Aïe. Il n'y avait rien à voir à l'écran. Rien à voir à l'écran. C'était terrible. Un carnage. Non, lâche-moi. Non, tu vas me foutre la paix. Ça pendant 1h20. C'est fatigant. En plus, ils veulent mettre de l'humour. Ils essaient de faire un truc un peu d'humour. Bon non, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. Alors, il y a Venom et puis il y a Deadpool, tu vois. Alors, si tu veux mettre de l'humour et de l'écriture, etc., bah, regardez Deadpool et faites plusieurs Deadpool à la place d'un Venom. T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi. Et enfin, est-ce que tu remettrais un Magritte à cette interview ? Ah oui. Le plus détendu de la semaine, déjà. Très clairement. Le plus sincère. Oh. Le moins langue de bois. Et je me suis bien marré. Ah bah, parfait. Je mettrais quand même un Magritte. Et pas du second rôle, hein, du premier rôle. Et moi, je te remets le Magritte du cœur, bien sûr. Oh, c'est gentil. Voilà. Patrick, merci à toi. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine.